it's just, I'm an artist as well, yeah, it's just hopefully to put together some kind of documentary. Just to show what some of the guys can do, because some of it is pretty good, and there's no one recording it. These guys aren't going to be alive forever. These guys aren't going to be alive. Aren't going to be alive. These guys forever. Aren't going to be alive forever. Ans. Il était un homme, bon cœur, grand cœur, humanitaire, un artiste sensible, hyper sensible, comme ça. Il n'a jamais dérangé personne, jamais il avait une histoire avec n'importe qui. Quelle origine, quelle race et quelle couleur. Voilà, ça c'est Mousse. Et ces musiciens nous fait un jeu souvent de lutte ensemble, mais de l'année 80 quoi. Musique. Il sait très bien jouer, il chantait bien, il était un admirateur d'Abdel Halim Hafez, c'est un chanteur égyptien. Mais souvent on chantait ça. Il était très sensible, il a la classe. Il a la classe toujours, il a une qualité vraiment d'humain, sympathique, réservé. On parle toujours de la culture, très cultivé, Mustapha. C'est pas un portraitiste ou c'est un artiste tout court dans son âme. Et ça reste toujours Mustapha Mousse, qu'on l'appelle toujours notre ami dans notre cas, comme elle a dit. Enfin, on l'aime bien et puis il nous manque toujours. Voilà. On a tous ces souvenirs de Mustapha. Mustapha. Il en a tellement trop, tu ne peux pas imaginer, c'est vrai, ça nous a tellement touchés. Moi je dis, Mustapha c'est une figure c'est tellement importante du Montmartre, c'était parmi les figures, c'est vrai qu'ils ont laissé une trace ici. Mustapha c'était, je crois, je peux dire, la première qu'ils ont commencé à essayer cette technique estampe à Montmartre. En plus, la valeur, la qualité de Mustapha, pour moi, c'est un seigneur. Il était aimé par tout le monde, sans exception de nationalité, d'origine et de religion. Il aimait tout le monde. Pour moi, c'était un vrai artiste. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de valeur, un homme très cultivé. Mais malheureusement, c'est vrai, son disparition, ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Profondément et s'est touché beaucoup. Moi,
Mustapha, tu étais peut-être le plus proche de tous les artistes de la place de théâtre. Merci. De Mustapha. Oui, absolument. Comme un frère, presque. Oui, ouais, c'est un frère, ça va. C'était un grand frère pour moi. Bon, c'était un ami d'enfance déjà. Je me rappelle à l'école, à Figuig. Mais on est venu à Casablanca, on a fait nos études là-bas, on a décidé en 1969 de quitter les études et de venir en France en fait pour finir les études ici. Quand on est arrivé en 1969, malheureusement on était déçus, on avait des problèmes de papiers, etc. comme tout le monde à l'époque. Et on voulait vraiment faire des études scientifiques et tout. On a passé des concours, on a réussi, mais on n'avait pas des documents, carte séjour, etc. Donc on était obligé de commencer à zéro, de faire des travaux, des bâtiments pour acquérir nos papiers, etc. Mais en tout cas, Mustapha, il a décidé depuis 1973 de venir à Place du Tertre, Montmartre, donc pour travailler, dessiner comme portraitiste. I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't. If I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, yeah, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. Shadow, and if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, yeah, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, oh, yeah, I won't have to talk. Did it take long to find me? Faire quelque chose, créer quelque chose de nouveau dans la peinture, dans le domaine de la musique aussi. Mais le destin a voulu que c'est un jour vers le 4 janvier 2010. Ça nous a touché énormément, ça a touché tous les amis, les collègues ici qui travaillent à Place du Tertre, tout le monde, ils étaient touchés, plus que parce que il y avait des gens qui étaient morts, décédés ici. Des fois, personne n'a entendu parler d'eux-mêmes. Mais Mustapha, il a laissé une trace, il a marqué la place du Tertre parce que c'était un parmi des artistes uniques. Quelqu'un qui a vécu à la fin de sa vie solitaire. Il a choisi la vie de bohème, ça veut dire qu'il devrait à personne, quoi que ce soit. Il était un peu libre, comme une plume, comme ça, emporté par les vents. Il se pose comme ça, d'une manière en douceur, sans jamais causer de problème à personne.
tout le monde, ils étaient très touchés. On a eu des larmes aux yeux à chaque fois. Quand on parlait de Mustapha, il y avait des gens. Des fois, ils venaient pour le voir, le visiter ici. Mais Mustapha n'est pas là. Rahmatullah alayhi. نطلب الله أن يحيطه بالمغفرة والرحمة وأن يرزق الصبر لجميع ذويه وأهله وأصدقائه وأصحابه. Alors, je prie Dieu qu'il soit, qu'il le couvre de miséricorde et de pardon et qu'il sera dans un monde meilleur, inshallah, et que je souhaite d'abord, moi en premier, d'avoir la patience d'avoir perdu un ami si important. Et un frère, et à tous les gens qui le connaissent, à toute sa famille, que Dieu leur accorde patience et force. Voilà.